Bonjour Antoine, je vous réveille. Mais moi aussi j'ai été réveillée très, très tôt ce matin par votre pneumatique. Mais c'est pas grave. C'est toujours agréable de se réveiller en lisant des choses jolies. Je suis mise à ma table pour vous répondre et puis non. Je me suis aperçue que... fallait que je vienne ici tout de suite, moi-même. Bon. J'ai lu Lys dans la vallée. Je suis comme vous, je trouve que c'est très beau. Mais vous oubliez une chose, c'est que... Madame de Mortsauf aimait Félix de Vandenesse. C'est pas une belle histoire d'amour, c'est une histoire lamentable. Parce que finalement, elle est morte de n'avoir pas pu partager cet amour avec lui. Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. Par exemple, ce matin, avant de venir ici, je me suis maquillée. Je me suis mis de la poudre sur le nez. Je me suis fait les yeux. Et en traversant Paris, je me suis aperçue que toutes les femmes faisaient la même chose. Pour le plaisir ou par politesse. Vous dites que je suis exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour. Vous, là, vous êtes tout à fait exceptionnelle. Vos empreintes digitales sont uniques au monde, vous saviez ça? Vous êtes uniques, nous sommes tous les deux uniques. Uniques et irremplaçables. Avant de mourir, mon père a fait signe à son médecin de s'approcher. Et il lui a dit... Les gens sont formidables. Et pouf, il est mort. Je comprends que vous restiez silencieux, mais je voudrais bien que vous me regardiez. Que vous me regardiez, moi. Vous m'avez écrit hier, et la réponse, c'est moi. Je vous propose un contrat. Un vrai contrat, équitable pour tous les deux. Puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel, voilà. Je viens là, près de vous, maintenant. Nous restons ensemble pendant quelques heures. Et ensuite, quoi qu'il arrive, nous ne nous voyons plus jamais. D'accord? Oui. Oui. Je vais peut-être ôter la clé de la serrure. Dans les histoires que nous aimons tous les deux, la dame jette la clé par la fenêtre. Mais pour nous, ce petit vin sera très bon.